Tariga de 8,60, vous voyez que les notes baissent en fonction, évidemment, des imperfections réalisées. Voilà un autre gymnaste au sol. Oui. Et lui aussi, il a un genou qui fait pas mal de... qui lui cause pas mal de soucis. Ouais, il s'agit de Jacques Iloquin, qui s'entraîne à la Madeleine. Dans le Nord. Et qui effectivement, si on se rappelle bien, à la Coupe Élite, il y a 2 ans déjà, à Cergy-Pontoise, s'était blessé au genou sur un double salto arrière tendu au sol. Donc subit une opération et maintenant continue à travailler, a bien repris, mais avec une protection. Enfin, il ne faut pas généraliser, hein, ils ne sont pas tous blessés quand même. Non, hein. C'est vrai, mais... Ah, mais ça pourrait faire peur à beaucoup de gens en disant, mais dites-moi, on se blesse en football, on se blesse au tennis et on se blesse en gymnastique, mais effectivement, les traumatismes sont plus fréquents lorsqu'il y a des réceptions comme celle-ci, accumulées et répétées.